Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est The John. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite découverte d'un jeu de survie dans l'espace où on veut, le nom c'est Planet Crafter. On va devoir survivre sur une planète complètement vierge, sans aucune vie, eau, rien du tout. Sans oxygène, je crois. Après ce que j'ai vu au trailer. Et à force de crafter, on va pouvoir refaire venir l'eau, les plantes et tout ça. Donc ça a l'air d'être pas mal. On va comment dire, on va coloniser la planète. On va la terraformer plutôt. Donc on va aller voir ça. Hein. J'aime bien les jeux comme ça de où tu dois terraformer une planète. Alors la voie derrière, elle a rien du tout. C'est complètement un désert. Bon là, il n'y a pas de son. J'ai été voir vite fait. Normalement, il y a le son quand on est dans le jeu. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. C'est vraiment calme. Le jeu est sorti le 24 mars, si je me trompe pas, et il est à... Pourquoi dit? Je crois que je fais des bêtises. Il est à 16,19 au lieu de 17,99 jusqu'au 7 avril. Ok. Donc pour tous ceux qui aiment bien les jeux de craft, c'est un peu le moment. Bon, vous gagnez pas beaucoup, mais bon. Je pense faire des vidéos dessus. Bon, on va laisser normal tout ça. Comme en ce moment, tout ce qui est dinosaures, animaux, je le fais en live. Là, je ferai peut-être une petite série. Et au moins, comme ça, je ne m'attaquerai pas à plusieurs séries à la fois. Alors, chargé. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Oh, c'est dur à tourner là. Regardez, la souris, il faut faire à 360 degrés avec la souris. Manette. Ah, la manette, elle n'est pas prise en compte en charme. Donc, option, contrôle. Est-ce qu'on peut régler un peu la sensibilité de la souris? 18%. Ah, c'est déjà mieux. On va jouer au clavier. Par contre, la musique. Voilà. On peut laisser un petit fond, mais non plus pas exagérer. Ok. Donc, je pense que. Ok. Ah ouais. C'est cool, après ça se peut. Ah oui, ah non, je croyais que c'était un astéroïde, c'est des trucs dans le ciel. Alors fabriquer un sac à dos, ok. Après, je sais pas si plus tard on pourra pas partir de là, quand on aura fini cette planète, pour aller faire d'autres planètes, ça serait cool. Appel à l'astronir. Va falloir de l'eau, ok. Pour l'instant de l'eau. Ah, avec la glace, sûrement. Titane, silicium. Bon, on a tout à disposition. Bah, le spawn est bien, on va dire. Avertissement. Oxygène critique. Ok, et on fait comment? Ah, ok. Ok. Les messages. Alors, bienvenue sur votre planète assignée. Votre mission est de faire avancer le processus de terraformation. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Générer de l'oxygène, de la chaleur. Ah non, générer oxygène, chaleur et pression pour le faire. Alors, tout d'abord, atteignez 175 000 TI et créer de l'atmosphère bleue. Oh, c'est cool! Fabriquer. Et où l'inventaire? Il est là? Non, c'est pas là. Si, c'est l'inventaire. Ah, mais c'est ce que j'ai sur moi, ça. On a un truc de craft? Ah, peut-être là. Là. Ça, c'est craft, ça. On m'a dit un sac à dos. Ah, j'ai pas le fer. Et le fer. Ah ouais, ok. Donc, on a de l'oxygène. Non, silicium. Titanium. Ça pourrait être pas mal. Ah, pour l'instant, on peut vraiment pas s'éloigner de la du point. Après, comme on boit, bah sûrement avec la glace, il doit avoir un truc à faire. On va faire déjà le sac à dos.
Magnésium. Bon, ça fait un peu bizarre les ressources aussi faciles comme ça sur la planète. Quand on joue à Uden, c'est quand même plus compliqué. C'est bon? Je l'ai fait. Ah, peut-être que je vais dans mon inventaire. Ok. Alors, fabriquer un réservoir d'oxygène. Du cobalt, du fer et du magnésium. Du magnésium. Mais alors là, c'est cobalt. Ah, c'était sûr. Allez, allez. Oh, on a même des caisses sur la planète. Oh! Et je prends, et attends, il me l'offre. C'est trop bien. Bon, pas trop prendre. Pour l'instant, je suis à zéro. Je ne fabrique pas d'oxygène. Pour l'instant, je fais les premiers. Ouais, voilà, les premiers pas. En vrai, ça va faire un peu du Somnotica alors. Aussi. Et 145 d'oxygène. Ouais, ça fait un peu du Somnotica aussi. Fabriquer une micro-puce de construction. Destruction, construction. Silicium, silicium, magnésium, magnésium. Ok. Il y a sa porte ouverte comme ça, au calme, on perd de l'oxygène. Bah alors, et l'oxygène, elle perd sur la planète, c'est bon. Ah, attends. Je me dépêche parce qu'après, il va falloir boire. J'ai du quoi? Du... Ah, je sais plus. Magnésium, je crois. Le dé de silicium, il faut encore un peu de magnésium. On va regarder dans les réserves. Voilà. Trop bien. Puis en plus j'ai tout qui se rajoute à chaque fois là, sur le côté, une foreuse, une éolienne. Ça serait pas mal. Alors. Un habitacle. Ah, ça va être sûrement avec ça. Et comment on le sort ça? À chaque fois je me trompe. Inventaire, courir. En plus c'est bien, ils disent sur le côté. Pour miner, mettre les constructions. Activer l'éclairage. Ouais, j'ai pas encore la puce. Donc on a une nuit dans le jeu. Oufou, il va falloir que je prévoie de lumière. Manque un de magnésium. On va essayer de la faire tout de suite au cas où parce que j'ai pas envie de tomber d'un coup dans le noir. Dire on est coincé. Bon, je suis encore un peu malade vu que sur les lives, ceux qui sont sur les lives de... J'aurais dit que c'était un peu malade. Hop. Voilà. Je parle un peu avec le nez, mais bon, ça va. Voilà, faites voir. F. Ouais. Donc, fabriquer un habitacle. Va avoir soif. Ah, bah attends. Là, c'est peut-être des bouteilles d'eau. Voilà, bouteille d'eau. Ah, bah non. Bah, en vrai, j'ai que ça. Comment la boire? Comme ça. Et pour se soigner, on doit avoir quelque chose alors. Ah non. Mais pourquoi j'avais perdu de la vie? Ah mais je perds de la vie. Pourquoi je perds de la vie? Eh c'est moche, au secours. Fabriquer un habitacle. Mais on peut pas le fabriquer avec lui. Ah, restaure de la... Ah, il faut des rations.
une graine. Je vais pas la sortir tout de suite parce que ça me le demande pas, j'ai pas envie de faire une bêtise. L'habitacle. Alors, parce que j'ai le truc de craft sur moi. Équiper cette puce pour pouvoir construire des structures en appuyant sur la touche correspondante. Ah, ok. Faut que je regarde alors. La touche correspondante. Faut sauter, espace, comme toujours. Inventaire, courir. Menu de construction. Ah. Ok. J'ai dû faire. Ah, on perd de la vie, c'est dommage. Il m'arrive à rien là. Peut-être l'atmosphère. Bon, on fait comme dans toutes les tous les jeux de survie. Voilà. Au début, on s'installe où on spawn. On peut le mettre en hauteur? Oh, il doit avoir des pieds alors. Ah oui, ça fait la Subnautica. Monsieur, je vais rentrer! Il y avait de porte. On va faire la porte. Alors, il faut quoi pour la porte? Du fer et du silicium. Ok. Bon, ça, il est pas mal, il est pas mal. Silicium. Le fer est sur les rochers. Voilà. Est-ce qu'il va falloir faire comme Somnotica, faire des panneaux solaires, tout ça, parce que pour l'instant on n'aura pas d'énergie dedans. Je pense que oui. Ah non, ça fournit déjà de l'oxygène. Ok. Par contre, on perd toujours de la vie? Ah, quoique non. Avertissement, plus de courant. Si, voilà, il n'y a plus de courant. On a l'oxygène, comme sur Somnotica. Ah non, Somnotica, je crois qu'on n'a pas d'oxygène du tout. Foreuse. La foreuse. Ah, ça va, c'est pas compliqué à craft. C'est pas... Newden. Que je jouais pendant un moment. Je vais y retourner, mais il est très long celui-là, c'est ça qui est chaud. Le farming, c'est un truc de malade sur ce jeu-là. Osiris Newden. Alors, c'était quoi qu'il fallait? J'irai chercher une potion, parce qu'il va bien falloir que je trouve de quoi me soigner. J'aurais bouffé mes potions à moi. Alors, titane, titane, titane. Hop, et du fer. Avoir le rocher. Je sais pas s'il y aura des créatures. Je pourrais. J'allais dire justement. Je sais pas s'il y aura des créatures sur cette planète. Peut-être à un moment il y en aura. À voir. Sinon ça l'a fait un peu à la Astronir. Quoi qu'Astronir maintenant ils ajoutent les créatures. Et c'est cool. Oh, je me suis éloigné. Astronir, ils sont en train de rajouter une créature. J'ai pas encore été la chercher, la Xeno, je sais plus quoi. Là. Non, je veux pas mourir de... Non, non. Pourquoi j'ai pas d'oxygène? T'inquiète. En plus qu'en cours, ça a l'air de descendre. Bon, là, on va commencer à prendre une petite potion. Ouais. Voilà. Donc on peut se faire une foreuse. On va pas la mettre trop près du bâtiment parce que si je veux l'agrandir. Ok. Et ça fait quoi? Faut faire quoi? Faut de l'énergie? Ah sûrement l'éolienne. Ouais, ça va la lampe.
Avec les effets de la fumée et tout. Ok. Alors, l'éolienne. Du fer. Seulement du fer. Ouais, c'est pas beaucoup, ça va. Après, ça respawn. On va voir. C'est vrai que c'est pas trop difficile. Ah, quoi? Quoi ça? Toi, t'es pas relié ou t'es relié? J'ai dû faire. Ah, si, ça a l'air. Et un avant de la lumière. Et donc. Ah, j'ai pris 4. Attention. 4 T. Eh bah, ça y est, on va commencer là. C'est marqué fabriquer écran de terraformation. Ah, je suis en train de monter. Bon, avec ce qu'ils m'ont demandé, je suis encore loin d'y arriver. Hein. M'avaient demandé combien? Je suis qu'à 7, il faut 170 000, 175 000 plutôt. Donc, ah oui, de l'eau. Après, c'est pas mal. Ah, j'espère que ça va pas être trop facile. Bah, là, je suis en normal. Donc, après, à voir s'il faudra pas le mettre en plus dur. Là, c'est une petite découverte. Je vais faire quelques épisodes dessus. Il a l'air d'être cool. Inventaire. Voilà. Et donc c'est avec ça que c'est en train de terraformer. Ben, j'en mets tout partout sur la map. Et tout. C'est quoi qu'il faut construire? Chauffage, non. Là. Du fer et du silicium. C'est vrai que c'est quand même assez facile. Hop, du fer. Ah non, du silicium. Fer. Magnésium, silicium. Silicium. Voilà. Voilà, on récupère bien dedans. Hop. Alors, non, c'était pas là, c'était A. Ah oui, c'est exactement Subnautica. Là, de la façon que ça vient de se construire, c'est du Subnautica à 100%. Mais bon. Ah, on voit la pression, je suis en train de monter la pression. Ah, ça là, ça monte, ouais, c'est ça. Ok. Bah, sans oxygène, non. Chaleur non plus. Là. À côté. Fer et silicium. C'est sûr que ça a l'air d'être facile pour l'instant. Mais il doit bien avoir un truc qui va devenir difficile à un moment. Ah voilà, ma dernière mission, c'est atteindre le ciel bleu à 175 000 ti. Taï. Oh, attention, regardez, on peut se... y a pas beaucoup de construction, à part si ça va se débloquer tout à l'heure. Avec le temps. Du silicium. Et sinon, ouais, pas mal. Il est pas mal. Oh, il y a des débris là-haut. Je vais pouvoir y aller. J'ai hâte de faire la découverte. C'est un écran, mais il se met à l'envers là. Ah. Par terre? Oh. Ah, il faut peut-être lui faire une table. Là, un bureau. Du fer. Reviens, monsieur. Du fer, du fer, du fer. Du fer. Ah oui, t'as un petit bureau là.
Même si je vais agrandir. Pas grave, là ça va être un couloir, on va dire. Le bâtiment plus derrière après. Ah ouais, en plus ça se met pas directement, correctement. C'est toi qui dois bien le mettre. Ah, c'est vraiment du Somnotica, y a pas de problème avec ça. Ah, mais maintenant il manque mon fer. Qu'aucun. Ah, silicium. Alors, hop. Ah ouais. Sauf que ça serait mieux dans le sens avec mon sens à moi. Voilà. Ah, mais tout d'un coup, on se retrouve avec plein de choses. Ok. Alors, plein de choses. Là, c'est rien pour de l'oxygène à fabriquer. Bon, je monte tranquillement à la terraformation, mais il me faudra de l'oxygène. Et de la chaleur, surtout. La pression, elle monte tranquillement. Bon, il faudra que je fasse mieux. Sinon, ça va prendre trop de temps comme ça. Donc, la chaleur, justement. Ah, voilà, de l'iridium, du fer et du silicium. Alors, l'iridium, j'en ai pas vu à côté de chez moi. Donc, justement, c'est ce qui va devoir faire des déplacements. Je pense que je dois me faire des bouteilles d'oxygène. Ah, réservoir. Cobalt deux fois. Qu'est-ce qu'il vient de me dire, hein? Réservoir 2. Un établi. Là, il faudra que je m'en fasse un aussi pour mettre dans la petite maison. Là, c'est une graine dans cet appareil pour générer de l'oxygène. Ouais, mais dans le bâtiment, pas dehors. Et après, ça fait quoi? Ça rejette quand même dans l'espace? Bah dans la planète. Ah, mais il faut que j'agrandisse. On va agrandir avant. On va pas aller trop vite. Encore un fer. Je crois que je vais voir là-haut quand je pourrai. Voilà. Il se relie pas? Ah, le sol? Le sol est pas bien? Ou pas, il veut pas le mettre dessus. Oh, c'est dommage. Ouais, par au-dessus, mais là, je peux pas à cause du sol, je pense. Ah, j'aurais dû le surélever un petit peu. Et là, bah vas-y, fais voir. Tu passes quoi, il y a un sas qui s'est fait entre deux? Même pas. Trop bizarre. Bah je vais faire une porte avec une échelle et puis après je ferai une maison en hauteur si ça peut se placer en hauteur. On va réessayer. Là je vais prendre un peu d'eau. Ça fera un début de bâtiment bizarre, mais bon. Ah, j'ai plus de glace déjà. De la glace. Là. Le cobalt pour les bouteilles d'oxygène. Alors, où trouver de l'iridium, j'en sais rien.
Et sans ça, eh ben je pourrais pas faire ma chalet. Peut s'asseoir? Non. De l'eau. J'ai besoin de l'eau. Avant de terre. Bah, avant de terre. Ou encore. Sais pas combien de temps je tiendrai avec deux bouteilles, mais bon, j'en ferai encore avant de partir. Hein. Je pense pas que ça va être à côté. Et puis de l'eau aussi, je m'en fabriquerai. Donc, il y en a des planètes, dis donc. Il y en a une là, il y en a une là-bas. Il y en a encore une là-bas. On est bien entouré. Surtout si après, dans le futur, on peut tous les terraformer. Donc, est-ce que je commence à partir pour la chaleur ou est-ce que je fais quelque chose avec ce bâtiment? Allez, deux de fer et un... Ok. Fer. Oh, c'était titane, je sais plus. Alors. Ouais, titane. Ah là, ça se... Ok. Ah ouais! Mais ça va se suspendre comme ça, y a pas des pieds qui se posent comme à la Subnautica? Parce qu'à un moment, ça va faire un boom. C'est dommage que ça n'a pas fait un trou au plafond. Une échelle, hop, on montait dedans. Donc une porte maintenant, on va faire. Métal, silicium et titane. Titane. Fer. Silicium. Ah, ce que là, ça va faire bizarre, hein. La porte, on va pas la mettre de face. On va la mettre sur le côté. Et là, que du fer pour un escalier. J'espère que ça va marcher. Ah mais il flotte dans les airs l'escalier. Oh c'est trop moche. Attends, il y a un problème là. Va falloir que je me fais le truc de destruction, ça va pas aller ça. Bon, je rentre hein, dans tous les cas. Ah, ça devrait se clipser directement. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Je sais, c'est moche, mais bon. Ok. C'est une découverte, hein, c'est des essais. On est en testeur. Donc, déjà, on va se soigner. Parce que là, notre cœur, il est très mal. Hop. Je vais m'en reprendre deux. J'ai deux bouteilles d'oxygène avec moi, mais je vais encore en refaire. Je vais faire de l'eau. On va partir chercher l'iridium si on le trouve. Hop. Je pense que deux bouteilles. Ou je vais peut-être en refaire encore une. Istil, cobalt. Ouais. Je sais pas où on va partir pour l'iridium, mais bon. Et en courant, je pense qu'on diminue plus vite. Ok. Mon oxygène, elle descend vite, là. Je vais faire une blinde de bouteilles d'oxygène. Je sais pas où je vais trouver de l'iridium, mais... Regardez, il y a une caisse, là. Alors, allez, on est bon. Quête d'iridium. Au moins pour le premier chauffage. Après, il faudra aller chercher.
Oh, une graine d'aubergine. On prend. Aluminium, iridium. Wouh! T'as pas besoin de partir loin. C'est bon. C'est cool. Bon, bah, on va pouvoir faire le premier chauffage ici. Pas besoin de partir. Ouais. Non. T'as cru que j'allais mourir? Je peux avoir de l'oxygène au cas où, attends. Bon, par contre, je vais quand même fabriquer. Je les rangerai, comme ça au moins je les aurai d'avance. Voilà. Plus d'eau. Je vais en ranger au moins. Non, je suis trop ouf. Ouais, je regarde deux sur moi. Ça, pour l'instant, je peux le ranger. La loupe, par contre, elle descend vite aussi maintenant. La graine, on va la mettre là, vu que j'ai déjà une graine aussi là. Allez, go. Alors, le chauffage. Rue. Alors, ouais, c'est vrai que c'est vraiment moche. Hein. Et il faudra que je fasse destruction, destructeur pour pouvoir l'enlever cet escalier et essayer de mieux le remettre. En rapprochant bien, ouais, ça passera mieux. Donc, chauffage, chauffage, fer et silicium. Silicium. Après, ça a l'air quand même de plus spawn près à force avec le temps. Ça a l'air de s'éloigner. Encore du silicium. Oh, déjà plus d'oxygène? Mais j'ai l'impression de perdre de plus en plus d'oxygène. Ah ouais, j'ai l'impression que ça diminue les ressources avec le temps. Ah, c'est sûr qu'on va pas toujours ramasser à côté de chez soi. Hein. Alors, bon, j'espère qu'après il y aura des pieds qui se posent parce que ça fait moche hein, sans les pieds. J'ai pas vu. Ah si, c'est ça. Les fondations. Je mettrai des fondations dessous. Là il tient, mais plus loin je crois que ça va faire comme Subnautica, ça va se détruire. Ah. Ah, c'est dans la maison. Oh. Y a des tempêtes? Oh, il y a des astéroïdes! Non! Ça va casser mon bâtiment? Arrête! Attends, je rentre! Est-ce que c'est calculé pour casser les bâtiments ou... Parce que si en plus on doit gérer ça? Ou c'est pour faire peur et ça passe à côté? Mais le chauffage. Oh, tu te calmes. Hey, je vais sortir ma raquette, fais gaffe, hein. Je vais jouer au tennis avec toi. Oh, celui-là est pas beau, celui-là est pas beau. Ah, c'est des ressources. Il y a des ressources qui tombent. Ou c'est les ressources qui s'envolent. Attendez, attendez, je suis tellement en admiration sur les astéroïdes qui tombent. Hein. Alors, oxygène. Eau plutôt. Voilà. Vas-y, j'étais en train de jouer, j'étais... Et en plus, les débris, ils restent!
Bon, ça n'a pas fait des vrais cratères sur le sol, heureusement, sinon on n'aurait pas fini. Il faudrait à plus des pelteuses, tout. Ah, les ressources, ils vont disparaître, là, les rochers, là. Allez. Un peu de divertissement. Ça se met où, ça? Okay. À l'intérieur du bâtiment? Ah ouais. On va le mettre en haut, alors. Avec mon escalier high-tech. Ah bon, au centre. Vous n'avez plus assez de courant parce que le chauffage ça pompe. Bah, on va remettre des éoliennes. Faire. Ah non, il n'y a plus du tout d'éoliennes. C'est pas la même chose. C'est qu'il n'y a plus de vent. Ah, en plus, on peut tomber en panne de vent. Aïe aïe aïe. Ah oui, si on peut tomber en panne devant. Ah, ça a l'air d'être une terre gelée. À une planète froide. Ah ouais, il n'y a plus assez de courant, oui. Je suis tout à fait d'accord. Ah non, il n'y avait plus assez de puissance pour faire tourner l'éolienne. Ok. On va aller voir la maison. Ah, il fait chaud. Ouais. C'est pas pour dehors alors, tout compte fait. Mais là, je prends de la chaleur quand même. Bah, je réchauffe pas la planète avec mon chauffage. Je l'aurais mis dehors, j'aurais dit ok, c'est pour la planète, mais. Et encore, un petit truc comme ça, réchauffer une planète, waouh. C'est du nucléaire, hein. Ouais, on va encore attraper un troisième bras qui va pousser, c'est tout. On a compris. Et maintenant, il faut faire le boostable. De la glace, du magnésium et. J'étais trop vite. Et du fer. On va pouvoir planter une première plante. Cool. Glace. Alors le magnésium. Après on va s'arrêter là. On aura un peu tout fait. Maintenant il restera plus qu'à monter. Non pas du silicium. Il restera plus qu'à monter les 175 000 pas trouvé les derniers. Si. Magnésium. Et fer. Je passe devant le fer. Je l'ai pas ramassé. Il a dû faire à tout à l'heure. Là-bas. Ça va, les nuits sont pas trop longues. Après, on n'a pas encore découvert. On ira faire la découverte de la map plus tard. Hein. On aura tout ce qu'il faut parce que là, je pense pas que je vais aller très loin. L'oxygène, elle descend trop vite. On va les mettre avec le chauffage. Oh, encore une fois plus d'énergie. Oh lolo. Eh vas-y, ça va être un champ de. On peut pas les upgrade, non? On peut pas les améliorer. Oh, ça va être moche. Ben, je pense qu'après si on va pouvoir avoir des meilleures éoliennes. Donc j'enlèverai les petites et je remettrai des grosses. Non, je dois faire un champ d'éoliennes. Droit rétabli. Ah ouais, je vais avoir la chance si à chaque fois je pose un truc. Nouveau plan reçu. Fenêtre pour compartiment de vie. Ouais. Donc. Bah, je peux aller me chercher une graine, je pense. On va la mettre dedans. Quoi, si je te prends. Et un sac à dos de deuxième taille. De 2T. T2.
ouvrir. Y avait là. Oh. Y avait là. Ouais. Par contre, si j'ai une perte de courant, est-ce que ça meurt direct ou ça a un certain temps? Ah, c'est l'oxygène, elle fabrique de l'oxygène. Et moins 0,35 énergie, tout ça. Ok. Elle fait que 0,15. 0,15 d'oxygène. Pas beaucoup. Ah, elle pousse. Ah, elle pousse vite, hein. Eh, on pourrait faire ça comme plante qui pousse aussi vite, ce serait cool. Mais ok, ça fabrique de l'oxygène, d'accord, mais elle est toujours dans la maison, c'est pas dehors. À moins qu'après, il y a un truc qui permet de dégazer l'oxygène dans le bâtiment et qui l'envoie sur la planète. Attends, je vais aller voir. Ah, regarde l'oxygène. Ça monte le tout petit peu à petit, de petit à peu à petit peu. Pour l'instant, c'est dans l'intérieur. Après, je pourrais le faire dehors, sûrement. Ok. On dirait des petits pois. Du lierre. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là, je pense. Je vais continuer. C'est quoi qu'il fallait? Une structure. Ça fait trop moche, il faut que je le fasse tout de suite. Merci. Le bâtiment flottant. Même pas, ça va. Crois que ça sert à rien, ouais. Bon, pour moi, ça fera comme si qui est posé dessus. Oh, il y a beaucoup de lumière là. Il se passe quoi? Donc ça y est, j'ai fini tous les objectifs. On va boire un petit coup pour la fin. De l'eau et la petite ration. Il faudra que je vois comment faire parce que sinon je vais mourir à un moment. Mais donc voilà, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Qu'est-ce que je pourrais regarder de plus avec vous avant de partir? Il y a le sac à dos qui s'est débloqué. La fenêtre. L'oxygène 2. Ah oui, ça sera intéressant. Moi, ce que je voudrais, c'est les petites rations. Voir comment crafter des petites rations pour me soigner. Parce que dans tous les cas, je vais mourir sinon. Ah, vous voyez là, après, il y aura l'échelle à l'intérieur, chauffage. Bon, ça, c'est pour l'oxygène. Les vestibules 3, chauffage 3. Et après, on va sûrement être dehors. Épandeur d'arbres. Ah ouais. Un biodôme. Oh, il y a tellement de choses qu'on va pouvoir craft. Et je pense que les ressources, ils vont être de plus en plus durs à trouver. Extracteur de minerais. Ouais. Bah, pour ça, on se retrouvera pour un prochain épisode. J'essaierai peut-être de commencer à avoir un peu de mon côté, et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé un petit peu. Quand même. Donc, voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était The John sur... le nom. Ah, j'ai oublié le nom. C'est quoi? Des fois, je perds les noms des jeux que je joue. Ah oui, Planet Crafter. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Et ciao.